Bonjour. Jeudi 1er novembre 2018. Il est un peu plus de 8 heures. Et donc, je suis encore parti pour une balade. Normalement, je vais aller voir direction les Dômes, si tout va bien. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a du soleil. Les montagnes sont claires, mais la météo annonce quelques averses, on verra. Par contre, il y a quelques rafales de vent, annoncées jusqu'à 45 km/h. Et les températures sont un peu fraîches, vu que ça va tourner à entre 6 et 8 à 9 degrés. Voilà. Donc c'est parti. Je vais partir donc direction Clermont-Ferrand. Traverser Clermont et aller direction Chamalières pour l'instant. Voilà. À tout à l'heure. Le premier épisode des jeux a eu lieu il y a quelques jours. Et donc, malgré les deux journées où c'est remonté un peu au niveau température, et sans aucune précipitation, la neige est restée un tout petit peu sur les sommets. On peut le constater face à nous. Je vais sûrement en voir un petit peu de loin, dans les creux ombragés ou les choses comme ça, ou certains chemins peut-être. Voilà. Les montagnes se dessinent parfaitement, c'est vraiment joli. Alors, grosso modo, mon objectif c'est tout droit. Un peu de choses près. Voilà, donc je vais longer ateliers aéronautiques et prendre le chemin le long des jardins pour pouvoir rentrer dans Clermont. Allez, à tout à l'heure. Donc comme prévu, direction Chamalières avec le beau Puy de Dôme face à moi.
personne dans Clermont, c'est très bien. Après une petite heure d'échauffement depuis Landes, je monte donc direction le stade du Colombier. On sent bien le dénivelé, là ça y est. Il va falloir mettre tout à gauche parce que ça commence à forcer un peu. Donc voilà, je vais passer sous la voie ferrée devant le lycée des métiers et après je vais commencer à aller titiller la nature. Allez, à plus. Voilà, je rentre à l'instant sur le site du stade du Colombier en montant. Il est 10h20, 9h20, excusez-moi. Il est 9h20. Et donc là, bah, je suis sorti de Chamalières. Je vais donc me promener dans les chemins. À plus tard. Oh putain, ça monte. De la pierre, un petit peu humide. C'est bon ça. Je suis à peine au-dessus du stade du Colombier, hein. Je suis pas très loin, mais ça monte. Ah, en plus ça patine. Bon. On va essayer d'avancer. Allez, à plus tard. Donc me voici maintenant sur le chemin de Bellevue. Et je commence à percevoir quelques nappes de neige. Je vais donc rejoindre la route de la baraque, on appelle. Pour après reprendre une route beaucoup moins fréquentée de nouveau, direction Ternan. Voilà, donc dans quelques centaines de mètres, je rejoins la route de la baraque. C'est joli comme tout là, c'est sympa. On voit déjà le. Les gens qui ont des moyens quand même. Voilà, le soleil est encore parmi nous. Parmi moi du coup. Ça monte tranquillement. J'ai fait un petit dénivelé déjà.
Voilà, je vous dis à tout à l'heure, la départementale est en vue. Je viens de laisser à l'instant un chemin à ma gauche qui rejoint la route qui est parallèle à ce chemin là. C'est quand même mieux de rouler dans l'herbe que sur la route. Par contre, au bout de celui-ci, je vais quand même tourner à gauche pour rejoindre cette fameuse D90, pour la suivre pendant quelques centaines de mètres afin de continuer ma lente ascension. Je pense que le raidillon qui s'annonce, ça peut être piqué des vers. Donc on va voir. On laisse un petit peu de repos, de respiration, c'est bien. Voilà, pour l'instant ça roule. À plus tard.